Match, je dirais, entre deux joueurs béninois et presque deux frères. Ouais, presque deux frères. Ouais, ça fait trois ans qu'on se connaît maintenant. Ouais. On a fait la CAN ensemble, la CAN junior, et puis on s'est qualifié au mondial ensemble. Donc maintenant, je le retrouve là, chez moi, et c'est toujours un plaisir d'être avec Charles. Bon, tu peux quand même le présenter, parce que toi, on connaît Johan, mais le joueur de la CBB, on ne connaît pas. Bah, Charles Tito, international béninois en moins de 20, qui a fait la Coupe du Monde, comme j'ai dit avant. Et là, il joue à la CBB en attendant de trouver un club un peu au-dessus, parce que je pense qu'il a le niveau quand même. Mais comme on dit, deux frères, pourquoi? Deux frères, parce qu'il est arrivé en France avec, on connaît, le périple des Africains. Je l'ai accueilli chez moi avec mes parents qui m'ont trouvé à CBB. Et un autre qui s'appelle Oscar Roulot maintenant qui est à Rouen. Donc ça se passe bien pour lui pour l'instant. Et encore une fois, on espère qu'il trouvera bien un club au-dessus. Et il joue à la CBB depuis combien d'années, père? Depuis décembre dernier. Enfin, décembre dernier, voilà, ça fait pratiquement un an voilà, que je suis avec eux. La CBB, voilà, en attendant, comme l'a dit Johan, de trouver un club au-dessus. Voilà, bon, j'avais fait un essai ici au Vesta. Voilà, ça n'a pas été convaincant, mais voilà, c'est pas grave, c'est le foot. Voilà, je continue pas à travailler. Voilà, j'espère que d'ici décembre, voire la saison prochaine, voilà, je vais essayer de monter un cap, voilà, pour jouer dessus. Voilà, donc, pour le match d'aujourd'hui, voilà, ça a été un grand plaisir pour moi de jouer contre Johan. Tous les samedis, je viens toujours le voir tous les samedis ici. Voilà, je viens le supporter. Voilà, il est un béninois, il est comme mon frère. Voilà, c'est un frère. Voilà, deux béninois qui se retrouvent à l'étranger, sont toujours des frères. Voilà, se considèrent comme toujours des frères. Voilà. Voilà, aujourd'hui, même bien avant le match, je suis charrié à la maison. Voilà, je lui disais, voilà, j'allais marquer un but, et voilà, il allait encaisser, tout ça. Voilà, bon, c'était dans de bonnes ambiances, voilà, ça s'est bien passé. Voilà. Bon, n'oublions pas que c'est un club de CFA devant nous, voilà, donc c'était un peu costaud, voilà, on a subi, voilà, après, physiquement, c'était un peu dur, voilà, on a encaissé trois buts, voilà, mais c'est pas la fin du monde, c'est une bonne expérience pour nous. Mais la CBB a quand même bien joué le jeu, puisqu'ils ont ouvert le score très rapidement. Ouais, ils ont ouvert le score très rapidement, voilà. Je crois que on a ouvert le score très rapidement et c'était encore un peu plus compliqué. Voilà, et après on les a réveillés, et voilà, donc après ça allait de 2000 à l'heure, voilà. Donc voilà, on a encaissé le but, et ils ont égalisé la 40e minute, je crois. Voilà. C'était le tournant du match. Voilà, mais voilà, on n'a pas démérité, voilà, mais la victoire du Vesta, je parle quand même normal. Bah, l'espoir, c'est sans doute peut-être, je ne sais pas, de jouer peut-être un jour ensemble au Vesta, mais au moins de jouer ensemble dans l'équipe du Bénin. Ouais, bien sûr, bon, comme il avait dit, bon, on a fait la CAN junior ensemble, on a fait certains matchs internationaux ensemble, voilà. On a fait la Coupe du Monde ensemble aussi au Pays-Bas. Ça s'est bien passé, et voilà, malheureusement, on n'a pas passé le premier tour, voilà, mais c'était quand même une bonne expérience. Voilà, donc on s'est retrouvé ici en France, il m'a accueilli avec ses parents, franchement, c'est énorme ce qu'ils font pour nous. Voilà, comme il avait dit, il y a Oscar Oulou, il a signé à Rouen. À Rouen, voilà, ça se passe bien pour lui, à CFA, il joue normalement. Voilà, j'espère que ça ne va pas tarder pour lui. À noter qu'il a quand même joué contre la Côte d'Ivoire, le Cameroun et tout en A. C'est pas un petit. Hein. Ah, donc il était international aussi. Voilà, il a joué contre la Côte d'Ivoire, et contre le Bas, contre le Tour. Voilà, c'était bien, c'était une bonne expérience. Voilà, mais maintenant, voilà, il ne baisse pas les bras, voilà, je ne pense pas travailler. Ben merci, bonne soirée et puis bonne chance, j'irai à l'équipe du Bénin, puisque au mois de janvier, on va les suivre particulièrement, puisqu'ils sont engagés dans la phase finale de la Coupe d'Afrique. Merci bien. Merci. Allez, c'est bien. Au revoir.